Christophe. Salut Christophe, salut tout le monde. Salut, ça va? Oh, je suis ravi de vous retrouver. Oh, j'y sais, salut Christian. Pas du tout. Santé, hein? Qui c'est qui parle Salut. là? Salut Christian. C'était pas censé être Géraldine là? Yes, je suis là. Ah bah voilà. Ah, il y a Laurent. Bah Bonjour voilà. Laurent. Hello. T'entends Zoom plante quand même un petit peu, hein? Donc là, Il y a Zoom bien Fabrice. planté Salut sur le Fabrice. démarrage parce qu'il s'est dit, Loïc, faut qu'il introduise correctement Géraldine et puis. Oh, je t'en prie, je t'en prie, je t'en Introduire. prie. Je t'en prie. Ça y est, je vais couper la chic, hein? Donc c'est bon, Géraldine, tu vas pouvoir. Si tu n'es pas. Tu nous entends bien, Géraldine? Tout est bon? C'est parfait. C'est parfait pour toi. Attends, je vérifie que tout est bon sur YouTube. Oui, ça continue à marcher, YouTube. Laetitia, tu nous confirmes, tout est bon. Donc, nous en sommes au début de l'après-midi du Social Selling Forum, 65e du nom, 11e en ligne, 3e en Auvergne entre guillemets, puisqu'on a des Belges, on a des Tourangelles, comme ça qu'on dit, Géraldine, Ouais, des c'est comme ça qu'on Parisiens. dit. Voilà, des Parisiens, etc., etc., des Amiénois, je ne sais pas comment on dit. Voilà, le sujet du moment, c'est la routine d'un entrepreneur sur les réseaux sociaux pour se vendre. Et on va commencer par une keynote un peu particulière que Géraldine aime bien faire au Social Selling Forum et qu'on adore en général, qui est sur votre différence et votre plus grande force. Vous, entrepreneur, vous, dirigeant, vous, personne. X, Y ou Z. Géraldine, je te passe la parole. Tu as 15 minutes. Ok, parfait. Merci Loïc. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'aimerais commencer par une question. Si je vous disais que vos différences peuvent faire la différence, si je vous disais que ce que vous pouvez appeler différence, on peut des fois les appeler aussi tare, handicap, si je vous disais que votre plus gros problème de vie peut devenir un atout. Est-ce que vous me croiriez? Eh bien, en fait, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de la vie de toutes les personnes que j'accompagne aujourd'hui. Parce que on a trop souvent l'habitude de mettre nos différences, nos faiblesses, nos tares. On a trop l'habitude, en fait, de les cacher, de les mettre, comme on dit, sous le tapis. Et plus on fait ça, et plus en fait, ça devient un énorme, énorme, énorme problème. Donc, j'ai transformé ça. Et donc, aujourd'hui, je suis à la fois conférencière professionnelle, donc sur le thème de la différence, et également coach de dirigeants. J'accompagne des dirigeants qui sont différents, donc qui me ressemblent, qui sont 10 au potentiel, hyperactifs, hypersensibles, hyper créatifs. Qu'on appelle aussi des ZEB, des multipotentiels, des neuroatypiques. Et donc, je leur permets de se voir tels qu'ils sont, de se libérer du regard des autres, de pouvoir aller connecter ce potentiel qui est différent pour utiliser leur pleine puissance. Voilà. Mais en fait, je n'ai pas toujours fait ça. Et si on remonte quelques dizaines d'années en arrière, eh bien, personne n'aurait misé sur moi, en fait. Donc, j'ai envie de vous emmener faire une petite balade, un retour dans le temps. On est en 1978 et j'ai 4 ans. Et en fait, il se passe quelque chose d'assez difficile et c'est comme ça que je vais voir que je suis différente. C'est qu'en fait, je fais, à la maternelle, on ne veut pas me garder, en fait. Voilà, j'imagine qu'ici, il y a des parents, des pères et des mères, n'est-ce pas? Faites-moi un petit signe. Donc, imaginez mes parents quand on leur a dit, non, on ne va pas pouvoir la garder, Géraldine est trop turbulente. J'avais beaucoup d'énergie. Géraldine est trop bavarde. J'adorais aller communiquer avec les autres. Géraldine est trop différente. Elle est trop, trop, pas assez, pas dans la norme. Le mot était lancé, pas dans la norme.
En 1968, pendant que les étudiants étaient en train de combattre leur liberté, de défendre leur liberté plutôt sur les barricades, la solution qu'on a trouvée pour garder la petite Géraldine que j'étais, c'était de m'attacher les pieds, mes pieds, au pied de la chaise et mes mains derrière le dos. Ça commençait bien, n'est-ce pas ? Ensuite, quelques années plus tard, je me rends compte en fait que j'ai du mal à apprendre à lire et à écrire. Et ça devient un problème. Je n'entends pas comme les autres, j'entends des sons, je vois des belles images. Quand, par exemple, dans une dictée, il y a une phrase du style « un champ de fleurs », moi, je ne vois pas le mot « fleurs », mais je vois les fleurs. Et je suis déjà partie en train de gambader dans la nature. Et quand ma balade est finie, la dictée l'est aussi, mais pas sur mon cahier. Quand je veux, par exemple, écrire le prénom de mes copains, de mes copines, je vais en citer juste une, Déborah. Eh bien, moi, j'entends Déborah. Et je me demande si c'est même un prénom très féminin, parce que pour moi, le prénom féminin qui correspondrait à Déborah, ça serait plutôt des belles souris. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, toutes les décisions que j'ai pu prendre avec mon cœur, eh bien, on me disait à chaque fois cette phrase terrible que peut-être certains ont déjà entendue, « Tu le regretteras toute ta vie ». Donc, quand j'ai quitté mon BTS parce que je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas cool là-dedans, eh bien, on m'a dit « Mais tu fais une grande erreur, tu le regretteras toute ta vie ». Pour l'instant, je ne l'ai encore jamais regretté. Et le BTS n'a pas eu du tout de bons résultats à la fin. Quand j'ai pris mon congé sabbatique, quand j'étais ensuite dans l'industrie pharmaceutique, on m'a dit « Tu le regretteras toute ta vie ». Et je ne l'ai jamais regretté. Il y a une chose qui est intéressante, j'ai envie de vous partager, c'est quand j'ai quitté en fait l'école qui a toujours voulu me mettre dans une norme et que je suis arrivée dans l'entreprise, eh bien c'est comme si un peu je passais de nul à génie. On me disait que je savais faire les choses, que je n'avais jamais apprises et c'était juste étonnant pour moi. Il me faudra presque 20 ans pour voir effectivement pourquoi on me disait ça et pour qu'aujourd'hui je puisse accompagner des adolescents et des adolescentes, c'est-à-dire souvent les enfants des dirigeants, pour leur permettre de ne pas passer 20 ans, mais de prendre vraiment des grands raccourcis en quelques semaines, pour leur permettre de voir, en fait, dans leurs différences, tout ce qui est vraiment formidable, mais souvent qui n'est pas du tout mis en avant. Alors, j'aimerais, en fait, prendre un exemple, et j'aimerais vous parler d'Ali. J'ai fait un post hier, que j'ai accompagné parce que je crois qu'il y a quelque chose qui va par rapport à ce que j'ai entendu ce matin dans le même sens, c'est d'arrêter de normer, d'arrêter de faire comme tout le monde sur les réseaux sociaux, d'arrêter de faire des recrutements comme tout le monde fait des recrutements, parce qu'en fait nous sommes juste différents, absolument tous, même si vous ne faites pas partie de ces gens que j'ai cité tout à l'heure, les 10, les hauts potentiels, les hyperactifs, les hypersensibles, les hypercréatifs, qui ont effectivement une autre façon d'être au monde, avec vraiment une colonne vertébrale et des points vraiment très identiques, même si les gens sont très différents. Je crois qu'il faut arrêter de normer, et ça commence bien sûr, vous le savez, à l'école. Donc je voudrais vous partager en fait cette histoire d'Alice, qui a 14 ans et demi. En fait, c'est intéressant, Loïc, parce que suite à ma dernière conférence au Social Selling Forum, le lendemain, j'ai un message d'un dirigeant qui me dit votre intervention, Géraldine, m'a fracassée. Et quand j'entends ce mot, et j'entends aussi sa voix, je le rappelle très vite. Et en fait, il me parle de sa fille. Et sa fille, en fait, elle vient de faire 4 mois en psychiatrie, parce que c'est ça aujourd'hui, quand on n'est pas dans la norme et qu'on veut absolument nous normer. Donc, c'est valable pour nos enfants, les adolescents, mais c'est aussi valable pour les collaborateurs, pour tous les gens, en fait, qu'ils soient dans l'entreprise ou de toute façon, nous sommes les mêmes personnes. Et donc, quand j'ai cette Alice en Skype, mais tout de suite, je vois qu'elle est différente, qu'elle fait partie de ce groupe de personnes et qu'elle n'a pas des problèmes.
c'est que juste, on ne l'accueille pas telle qu'elle est. Et vous irez voir si ça vous intéresse le post d'hier ou d'avant-hier, mais il y a quelqu'un effectivement qui fait partie de ces formations académiques. Je n'ai rien contre ces formations-là, bien que pour moi, elles sont difficiles, et pour les gens qui sont comme moi, c'est souvent difficile parce que ça nous met dans des cases. Et la personne ne comprenait pas comment j'ai pu repérer Alice en une session, en une séance de Skype. Donc, c'est intéressant de voir comment tout ce qu'on peut apprendre et tout ce que l'on vit, ce que l'on peut vivre aujourd'hui, en fait, c'est dans une espèce de dichotomie. Et le plus important, c'est ce que l'on vit, c'est pas ce que l'on apprend, parce qu'on peut apprendre aussi des bêtises, ça dépend qui nous apprend quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien dans quel bazar on est, en fonction effectivement de qui dit quoi. Donc, on peut apprendre des choses qui sont fausses et les répéter encore et encore et encore et encore et encore. Mais quand on fait partie des gens qui sont différents, et c'est 20% de la population, et 34% chez les dirigeants, les cadres dirigeants, les entrepreneurs, c'est énorme. Eh bien, chez ces personnes-là, c'est difficile de les duper parce qu'elles le savent. Elles ne savent pas comment elles le savent, mais elles le savent en dedans d'elles. Donc, cette personne qui m'a posé la question « Mais comment vous avez fait pour repérer Alice ?» Eh bien, elle fait partie effectivement de ces gens qui ont appris des choses, et c'est bien d'apprendre des choses, mais quand on le vit, on le sent, eh bien, on prend des raccourcis. Donc, pour terminer avec cette histoire d'Alice, juste quand les parents, effectivement, à un moment donné, voient leur enfant en psychiatrie à 14 ans, eh bien, ils essaient de trouver d'autres solutions. Et en 2 mois et demi, puisqu'on a commencé le 30 juillet, eh bien, aujourd'hui, c'est une jeune fille de 15 ans qui est épanouie, qui comprend comment elle fonctionne. Elle a une map, un mode d'emploi de son cerveau, un mode d'emploi de ses émotions. Donc, Alice, un jour, elle sera bien sûr dans une entreprise ou peut-être entrepreneur ou peut-être dirigeante d'entreprise. Et ces gens-là sont aujourd'hui soit vos collaborateurs, soit vos clients, soit, soit vos fournisseurs. Et ces gens-là, eh bien, ont des valeurs, ont des valeurs de sens, ont des valeurs d'authenticité, ont des valeurs de... sont des gens qui sont très empathiques, qui ont une capacité de travail énorme, qui ont une capacité de prendre soin des autres, de prendre soin de la nature, de prendre soin des animaux, du monde. Ils sont comme ça. Ils peuvent ne pas savoir qu'ils sont comme ça parce que des fois, ils se sont mis comme une grande carapace parce que leur sensibilité, eh bien, est mise à rude épreuve avec le monde dans lequel on vit. Donc, comment les repérer ou comment se repérer? Eh bien, si vous faites partie de ce groupe de personnes, souvent, on le sait depuis toujours qu'on est différent. Parce que quand on annonce quelque chose, quand on veut parler quelque chose qui nous tient à cœur, ça fait flop, alors que pour nous, c'est tellement important. Et quand on est avec les autres, lors des apéros, etc., ce qu'ils disent souvent, ça ne nous intéresse pas parce qu'on a du mal à être dans des choses superficielles. Donc ça, c'est pour vous repérer, également de comprendre des choses très facilement que les autres ont du mal à comprendre, et inversement, avoir du mal à comprendre des choses qui paraissent très simples pour les autres. Également, si bien sûr vous avez été repéré, 10, donc dyslexique, dyscalculique, dysgraphique, HPI, HPE, TDAHA, etc. Tous ces gens-là, en fait, pour moi en tout cas, ont une même structure au niveau de leur façon d'être au monde et une même sensibilité des émotions. Alors bien sûr, dans l'entreprise, ces gens-là sont souvent en décalage et ils ont besoin, pour rester dans l'entreprise, d'avoir de la liberté, qu'on puisse les écouter, d'être dans un fonctionnement, comme je disais ce matin, à l'horizontale et plus dans une verticalité où on fait descendre des choses,
parce que ces gens-là ne peuvent pas le supporter. Ils voient, ils sentent des choses. C'est comme s'ils arrivaient un peu du futur pour certains. Et donc, ils ne peuvent pas appliquer à la lettre quelque chose dont ils savent déjà que ça ne peut pas marcher ou que ça va endommager la planète ou que ça ne va pas être bénéfique pour les clients, etc. Par rapport aux réseaux sociaux, parce que je sais que ça, c'est très important pour Loïc, eh bien, s'il s'agit de vous, osez. Quand est-ce que moi, ma différence, donc je ne sais pas si vous l'avez bien saisi, non, plutôt, pardon, je ne sais pas si je vous l'ai bien dit, mais du coup, moi, je suis quelqu'un aujourd'hui, à 56 ans, qui ne sait pas vraiment bien lire et écrire. Et je suis sur les réseaux sociaux, mais sincèrement, si vous m'aviez dit ça, il y a encore juste quelques années, mais je vous aurais dit, mais comment je peux faire pour communiquer ? Comment les gens vont accueillir mes posts alors que j'écris presque phonétique ? Et voilà, donc j'utilise la vidéo, j'utilise d'autres trucs, j'écris, plus j'écris avec les correcteurs, ça me prend beaucoup de temps, mais je le fais. Donc, si vous avez une différence que vous connaissez, affichez-la. Moi, depuis que je dis en conférence que je ne sais pas vraiment bien lire et écrire, mais aujourd'hui, je n'en ai rien à faire de ça. Parce que pour moi, c'est plus intéressant, c'est plus important de pouvoir coacher des adolescents et les sauver, entre guillemets, c'est-à-dire de leur éviter de la psychiatrie, etc., ou des gros conflits avec les parents, et que d'écrire, que de savoir bien écrire et lire. Donc, osez votre différence. Si vous êtes timide, dites-le, vous vous rendez compte, pour tous les timides qui vont lire votre poste ou qui vont vous écouter, mais ça va être extraordinaire. Si vous avez une différence de culture, mettez ça en avant. Tout ce que vous allez mettre en avant, en fait, eh bien, ça ne sera plus un problème, mais ça deviendra un atout vraiment très important. Et vous allez inspirer des personnes. Voilà, je terminerai avec une phrase de Coco Chanel qui disait « Pour être irremplaçable, il faut être différent. » Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous différents les uns les autres. Merci, merci, merci Géraldine. Je pense que c'est une bonne introduction à notre sujet, qui n'est pas un sujet sur les 10, les HPI, les zèbres, les atypiques, les neuromachins, etc., qui est vraiment un sujet sur comment est-ce qu'un entrepreneur, qu'il soit d'ailleurs à l'intérieur d'une entreprise, en intrapreneur ou qu'il soit à l'extérieur, comment il fait cet entrepreneur ? Quelle est la stratégie ? Quelle est la posture, au sens positif du terme ? Quelle est la routine qu'il va adopter ? Sur les réseaux sociaux, hein, je dis bien sur les réseaux sociaux, pour développer son image de marque personnelle avec l'objectif, in fine, de vendre, de se vendre. D'accord ? Donc, c'est ça le sujet de la session de maintenant. Et j'appelle sur la scène, donc, mes amis Philippe de Liège. Dis bonjour, Philippe. Il est là, il est en train de marcher. Philippe, il va arriver dans quelques secondes. Ça y est, il arrive. Géraldine Granier qui reste ici. Julien Girard, where is Julien ? Je le vois, Julien ? Il faut toujours qu'il y en ait un qui manque au mauvais moment. Hein. Pour l'instant, il n'est pas là. Fabrice Calbourg, il est là. Ouais. Fabrice, dis bonjour. Voilà. Sébastien bonjour. Gentil. Sébastien, il est toujours là. Sébastien, bonjour. On le voit dans sa voiture. Tu es où dans ta voiture hein ? Je suis dans le parking de mon client, figurez-vous. Voilà. Ben c'est super. Et Richard Lemaire qui est là. Donc, on va demander à Sébastien de commencer à nous parler un peu de son expérience. Alors, oula. Ben, si tu veux, hein, si ah oui. On a Philippe, parce que maintenant, il est assis, tu vois. Je peux demander à notre Belge de service, si tu préfères, Sébastien. Non, l'Auvergne est à l'honneur. Alors, vas-y, alors, tu vas nous partager quelle est la stratégie ou quelle est la routine ou les deux que tu adoptes sur les réseaux sociaux pour vendre, pour te vendre. Hein ? Alors, je vais parler aussi très rapidement des stratégies que j'ai testées et qui n'ont rien donné au départ parce que en fait, je n'étais pas suffisamment à l'écoute des retours et des commentaires éventuels ou justement l'absence de commentaires puisque au départ, avec l'utilisation de LinkedIn, je ne faisais que liker des posts. Alors, quand je me suis installé à mon compte, j'ai d'abord principalement liké d'autres posts. En revanche, pas uniquement dans l'univers du retail, qui est l'univers qui me concerne, en tout cas, qui est mon univers de prédilection,
Et je voyais évidemment pas de retour. Et j'ai commencé par... ensuite, j'ai commencé à faire des posts. J'ai vraiment écrit des articles. Je n'en ai pas écrit tant que ça. J'en ai peut-être écrit une dizaine. Et que j'ai donc partagé sur mon profil. Et j'avais peu de retours, vraiment. Quand on regarde, c'était vraiment très, très peu de retours. Voilà, Snack d'Arty, par exemple, qui est l'article que je vois là, que vous partagez. C'était un sujet, en plus, moi, qui me tenait à cœur l'expérience client, le service, etc., fait au client. Et quand on regarde le nombre de vues, il y a eu zéro partage, rien de vraiment très essentiel. J'ai commencé à me poser la question, OK, est-ce que ce type d'article, est-ce que ça me ressemble? Alors, pour rebondir sur ce que disait Géraldine, est-ce que finalement, oui, ça me ressemble? Est-ce que je partage ma différence? Ma différence, quelle est-elle? Bon, je ne l'avais pas permis d'identifier. Enfin, je ne l'ai toujours pas aujourd'hui. Enfin, si c'est essentiellement, je dirais, mon extrême sensibilité par rapport à certaines choses. Et d'ailleurs, tiens, le dernier post que je viens de voir passer, là, que vous montriez à l'écran, j'ai partagé cette expérience-là, ben justement avec mes clients de Guadeloupe, un groupe de stagiaires que j'ai eu. Et ce poste où je ne fais que de parler justement d'une émotion, d'un sentiment très fort et de mon point de vue par rapport au cadeau qui m'a été fait, a recueilli 3500 vues. Donc, c'est un peu plus de 3500 vues, je ne sais pas exactement, là, je n'ai pas le chiffre sous les yeux. Ce qui était plutôt... réconfortant et surtout qui m'a permis de dire OK, je sais maintenant vers quoi je vais orienter mes posts pour être vu. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, une des routines que j'ai mis en place aussi, c'était de créer des vidéos. Pendant presque un an, j'ai fait des vidéos et figurez-vous que ça a vraiment fonctionné. Pas en termes nécessairement de vues ou de retours sur commentaires, pas sur les vues. Les vues, c'était quand même pas mal vu. Enfin, moi, ça me satisfaisait complètement. Mais c'est surtout que, pour des raisons personnelles, j'ai dû arrêter de faire ces vidéos pendant quelques mois. Et j'ai commencé en fait à avoir des retours à ce moment-là, quand j'ai arrêté ces vidéos, où je partageais en fait l'actualité de l'environnement retail. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je reçois un message de quelqu'un qui s'était jamais manifesté sur mes vidéos, etc. Et qui me dit « Mais vous avez arrêté vos vidéos, c'est dommage, c'est intéressant, etc. etc. » Je dis « Bah oui, pour X raisons, je peux pas les continuer. » Et il me dit « Écoutez, moi, votre expertise retail m'intéresse. » Ah bon, ok. Donc, on a fini par échanger, etc. Bon, c'est devenu un client. Et je me suis aperçu à la suite de ça que j'ai regardé vraiment très précisément qui regardait mes posts, qui likait, etc. etc. Et j'ai fini en fait par créer cette routine où vous parliez tout à l'heure pour le déjeuner à la débeauté, qui est addict de son réseau social et qui regarde. Ben, moi, je regarde quand même les vues, les partages, je regarde qui partage, qui fait des commentaires, etc. Et ensuite, eh bien, ça me permet d'envoyer un message, de rebondir sur le post ou la vidéo et de demander ce qui a plu ou qu'est-ce qui a déplu éventuellement s'il y a eu des commentaires un peu négatifs. Et les retours sont plutôt intéressants parce que, déjà d'une, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui lisaient sans nécessairement commenter. C'était aussi des gens qui étaient très intéressés. Ce n'est pas parce qu'ils ne commentent pas qu'ils ne sont pas intéressés. Mmh. Bien au contraire, presque, enfin, en tout cas dans mon cas. Donc voilà un peu les routines que j'ai mis en place. Maintenant, les vidéos, j'ai arrêté pour des raisons tout à fait personnelles. Je reprendrai ça très certainement plus tard, mais maintenant je partage des posts qui sont principalement autour de l'univers du retail ou l'univers de mes clients. Voilà. Donc, et cette routine mise en place a permis de capter pas mal de clients. Je ne suis pas, moi, dans une démarche commerciale très pushy. Moi, j'aurais plutôt une tendance stratégie pool, enfin voilà, où je laisse venir finalement le client à moi et le prospect à moi. Et pour l'instant, voilà, j'ai envie de dire, si je suis en Guadeloupe, c'est aussi pour ça. C'est grâce à ça.
Merci beaucoup, Sébastien, pour ton témoignage. Voilà, voilà, Richard, tu as raison. Alors, est-ce qu'on peut demander son avis à un spécialiste du personal branding et notamment du personal branding des dirigeants ou des entrepreneurs, qui est notre ami Philippe, le Belge de service, Philippe de Liège, de Bruxelles. Philippe, vas-y, donne-nous un peu ta perspective par rapport au sujet de quelle stratégie, quelle posture, quelle routine. Oui, ben en effet, je pense que la routine, elle doit être basée avant tout par rapport à l'objectif. Donc, par exemple, j'ai des objectifs pour mes clients, mais j'ai un objectif personnel. Et donc, moi, j'ai un objectif, en fait, d'être connu et reconnu avant d'arriver chez un client. Et donc, chaque fois que j'agis sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, mon objectif, en fait, est que les gens, en fait, identifient le personal branding en tout cas à Philippe de Liège. Je ne suis pas le seul, mais en tout cas à Philippe de Liège. Et naturellement, ça... Le résultat n'est pas vraiment sur LinkedIn. Il ne faut pas croire que je vais avoir un bon de commande comme ça qui va arriver tout préparé, bien emballé. Mais ça va en fait améliorer mon efficience dans la vie réelle. C'est-à-dire que quand je rencontre un client, un prospect, moi, j'arrive à signer en une rencontre. Donc, tous les éléments de rassurance sont déjà installés. Et donc, déjà, s'il a accepté un rendez-vous, ben, c'est qu'il a accepté qu'il avait une douleur quelque part. Et quelque part, il me connaît, ne fût-ce que ma tronche, etc. Donc, c'est un petit peu donc, être en face avec par rapport à mes objectifs. Donc, mon objectif est très, très clair. C'est pour vendre, mais pour participer à l'amélioration de mon efficience commerciale. Poste pas pour recevoir, il n'y a jamais un call to action, c'est pour une construction d'image. Et encore une fois, pour être vu, être connu et reconnu. Voilà. Alors aussi, j'essaie d'être complètement aligné par rapport à moi-même. Donc voilà, j'ai beaucoup de défauts, mais en tout cas, je ne suis pas schizophrène. Et donc, je ne sais pas gérer de multiples personnalités. Donc, je vends Philippe de Liège tel qu'il est. Et naturellement, c'est beaucoup plus facile. Et donc, c'est vrai que la première chose que moi, j'ai fait, que je fais avec mes clients, c'est que j'ai défini mon ADN. Ça se résume en une page. Et quelque part, ça indique en fait tous les endroits où je me sens légitime pour prendre la parole ou ne pas prendre la parole. Ce que je fais, ce que je ne fais pas. Par exemple, si vous analysez mes posts, vous allez voir que j'utilise beaucoup mes passions théâtrales, lecture ou de tennis pour alimenter mon flux d'actualité, pour le rendre différent. Mais également, mon ton va être très différent. Imaginons par exemple que je prenne un avis sur le marketing, qui à la base n'est pas ma discipline, je suis beaucoup moins assertif. Donc en fait, je vais donner ça pour information, peut-être même susciter un commentaire. En tout cas, je vais poser ça là, quoi. Et donc, que les gens prennent ou ne prennent pas, peu m'importe, ce n'est pas mes convictions. Par contre, au niveau commercial, ben voilà, je me sens quand même assez charpenté. Voilà, j'ai plus de 25 ans d'expérience commerciale, donc c'est la seule chose que j'ai appris et c'est ce que je sais faire. C'est la seule chose que je sais faire. Et naturellement, par rapport à cette nouvelle manière de vendre, oui, j'ai des convictions assez fortes. Et donc, c'est vrai que là, j'ai un ton, je vais dire, on peut même le qualifier d'agressif, qui suscite peu de commentaires parce que j'assène un certain nombre de vérités qui sont basées sur mon expérience sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai que là, oui, voilà, mais ça correspond à ma personnalité. Sur cette base-là, en fait, je suis en opposition à pas mal de consultants dans le domaine commercial et l'ancienne mouvance. Et donc, voilà, et là, je reste droit sur mes convictions. Et là, vous allez voir, normalement, si je fais bien le job, c'est d'être... mon ton va évoluer en fonction du sujet que j'aborde. Voilà, alors, on parle de routine. Il faut savoir que ben, je suis chagriné par rapport à la personne qui a parlé avant, qui a arrêté pour des raisons légitimes, parce qu'elle n'a pas le temps, etc. Mais en fait, ça ne marche que quand on est régulier. Donc, si vous êtes vous assurez une présence 2 jours par semaine, ça peut fonctionner, mais vous habituez votre audience à être présente 2 fois par semaine. Moi, j'ai habitué mon audience à être présente tous les jours. Et il m'arrive, pas très souvent, je n'ai pas une communauté de dingue, mais il y a certains qui, quand je ne poste pas un jour, ils me rappellent que je n'ai pas posté. J'ai également atteint un certain objectif, quoi. Finalement, ils ont besoin de moi. En effet, la régularité fait partie de l'équation. Et aussi, si vous êtes régulier, en fait, vous allez diminuer le nombre d'engagements. C'est assez paradoxal.
Donc, si vous publiez rarement, vous allez voir beaucoup de likes, etc. Si vous postez plus régulièrement, en fait, ce taux va diminuer. Par contre, si vous faites l'addition de tous vos posts, en général, c'est supérieur. Voilà, mais j'ai déjà été trop bavard. Non, c'est bien, Philippe. Et tu reviendras sur la routine quotidienne que tu t'imposes, si tu veux bien, tout à l'heure, dans quelques minutes. Mais avant, je vais poser la même question qu'à toi, à Fabrice Calbourg, qui a ouvert son micro. Donc, vas-y, Fabrice, parle-nous de ta stratégie, de ta posture, de ta routine pour te vendre sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, moi, je suis un peu dans le même objectif que Philippe, c'est-à-dire me positionner auprès de gens dans mon réseau plus ou moins étendu en tant que sur un certain nombre d'activités en tant que référent. Voilà, donc LinkedIn me sert vraiment à établir cette position et à faire baisser le niveau d'énergie que j'ai à réaliser pour à investir pour faire une vente. Je ne suis pas un vendeur dans l'âme, j'aime pas trop cette partie prospection et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté en complément d'une démarche réseau. Aujourd'hui, ça correspond à cette activité-là. Demain, si je change un peu mon fusil d'épaule en termes d'approche, de stratégie que je veux développer de manière un petit peu plus large mon activité, ce que je vais probablement essayer de faire dans les prochains mois, je vais probablement changer ma routine actuelle pour l'adapter à cette stratégie. C'est-à-dire que je vais être beaucoup plus proactif sur la collecte de données et sur le contact des personnes qui visitent mon profil. Après, comme Philippe l'indiquait aussi, la régularité pour moi est très importante et c'est ce que j'ai indiqué aussi dans mes piliers ce matin lors de ma présentation. La régularité, c'est vraiment quasiment la première chose à mettre en place en fait, dans une activité sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Enfin, ce n'est pas du tout propre à un réseau social. C'est vraiment quelque chose qui doit être généralisé. Voilà, et j'essaye de maintenir une activité minimum d'un poste par semaine. Hein, ça, c'est vraiment le minimum du minimum sur LinkedIn. Après, en termes de routine, dans ma vie, dans ma journée type, en général, il y a de la consultation. En premier lieu, le matin, c'est la consultation. La consultation de mon fil d'actualité et aussi la consultation des groupes d'entraide dont je fais partie ou des pods dont je fais partie. Parce que moi, je n'en fais pas un mystère, je fais partie de plusieurs groupes de ce type-là, certains sur lesquels je suis plus actif que sur d'autres. Voilà, pour moi, c'est quelque chose que j'ai complètement intégré dans ma pratique et je sais que ce n'est pas le sujet forcément de ce débat, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est aussi dans ma pratique quotidienne. Ce qui me permet aussi d'interagir en fait très rapidement avec un réseau de personnes qui aujourd'hui est un réseau d'entraide directe, alors qui ne sont pas forcément immédiatement dans ma sphère professionnelle immédiate, mais en tout cas, c'est des gens qui vont appuyer mes publications, interagir régulièrement, m'apporter de la visibilité. Je vais leur rendre l'appareil. Et c'est des gens qui me permettent aussi d'évoluer professionnellement sur tout un tas de sujets autour de mon activité. Donc ça, en fait, ce qu'on ne voit pas trop, c'est les communautés qui se construisent à partir de LinkedIn et autour de LinkedIn et qui sont extrêmement importantes à aller chercher et à développer. Parce que finalement, toute l'activité, tout le bénéfice de ce que peut apporter LinkedIn ne se fait pas que sur LinkedIn, évidemment. Voilà un petit peu pour ma routine personnelle. Merci Fabrice. On va continuer avec Richard, puis ensuite on reviendra à Géraldine. Richard, est-ce que tu as quelque chose à partager en termes de stratégie, de posture et ou de routine sur les réseaux sociaux ? Pas spécialement sur LinkedIn, d'ailleurs, si tu utilises d'autres réseaux, mais sinon sur LinkedIn. Hein. Oh, d'ailleurs. Je vous signale que social selling, ça se fait sur TikTok, ça se fait sur Facebook, beaucoup, beaucoup, notamment en B2B, ça se fait avec YouTube, ça se fait avec WhatsApp, notamment au Maroc, on l'a vu tout à l'heure, etc. Vas-y, Richard. Oui, alors, ce qui me concerne, c'est exclusivement sur LinkedIn. Je vais rebondir dans un premier temps sur ce qu'a dit Géraldine dans laquelle ou dans le discours de laquelle je me reconnais complètement.
Ensuite, vous décrivez un petit peu ma routine de social seller sur LinkedIn quotidien. Vas-y. On est effectivement tous différents. Et une des premières choses, j'ai dit un peu ce matin, que l'on me balance dans mon métier, je suis veilleur, c'est qu'en fait, je fais la même chose que Google. Qu'est-ce qu'il y a de plus réducteur que de dire à quelqu'un qui fait un job sur mesure qu'on le compare à un outil qui est fait pour satisfaire le plus grand nombre. Et ça me risse vraiment le poil. Je me suis vraiment reconnu dans ce que racontait l'histoire que nous a raconté Géraldine tout à l'heure. Et j'ai d'autres contre-vérités du même acabit. Et donc, plutôt que de me fâcher contre ces contre-vérités, j'ai pris le parti, je vais partager mon écran, je ne sais pas si vous le voyez. Très bien. De, comme l'a expliqué Géraldine, de me démarquer et de le faire savoir. Et si possible, de le faire savoir de façon suffisamment impertinente pour que ça se sache vraiment. Et ça marche. Suite à ce genre de billet, j'ai des directeurs et directrices qui me contactent en me disant « Ben oui, vous avez raison, expliquez-moi comment vous faites. » Et comme l'a dit tout à l'heure notre ami en Guadeloupe, il l'a dit un peu négligemment, oui, c'est devenu un client depuis. Oui, enfin, ce n'est pas si trivial que ça, quand même. C'est une belle réussite de transformer un contact en client. Et je confirme qu'effectivement, ça marche. Donc voilà, pour rebondir sur ce qu'a dit Géraldine et abonder dans son sens. Pour ce qui concerne ma routine, comme je suis un oiseau de soir et de matin, assez peu de sommeil, je finis ma journée en parcourant les billets de mes contacts. Quand je réagis, en général, j'ajoute un commentaire. Quand je pense que ça va intéresser quelqu'un, je vais taguer cette personne en commentaire. Ça m'est arrivé hier soir. C'est assez régulier. Et concernant mes publications, j'essaye de me tenir à un rythme d'une publication par semaine. Là, j'ai un peu de mal. Je fais au moins une publication par semaine, mais pas un billet de mon cru par semaine. Je fais un billet de mon cru toutes les deux semaines environ. Parce que j'attache beaucoup d'importance à ce que j'aimerais bien que la lectrice ou le lecteur retienne. C'est finalement beaucoup plus important pour moi que la façon dont je vais m'exprimer. L'important, je pense, c'est de savoir ce que la lectrice ou le lecteur va retenir. Après tout, qu'on fasse une vidéo, un poème, un dialogue, comme ici, ce n'est pas très important, je pense. Sauf que il y a des formes un peu plus élégantes, un peu plus attractives que d'autres. Et pour terminer, l'une des formes qui fait office en ce qui me concerne de signature, c'est le visuel que vous avez en bas de votre écran. Et si je passe au billet suivant, vous voyez que vous avez le même type de visuel, etc., etc. Si vous allez sur mon profil, vous allez voir le même type de visuel. C'est en quelque sorte ma signature. Et je pars du principe que si les personnes voient ce visuel, ils disent « Tiens, il y a un billet de Richard, ou je l'aime ou je ne l'aime pas, mais en tout cas, ça ressemble à ce que j'ai vu. Je vais peut-être y jeter un œil si ça m'intéresse. » Et j'ai reconnu de qui ça venait. Voilà pour ma routine sur ces deux points de lecture et de publication. Le dernier point est très important dans l'exploitation de ces réseaux sociaux. Ce sont les visites, les profils des personnes qu'on ne connaît pas encore ou qu'on connaît déjà et dont on voudrait voir ce qui leur est advenu. Mais en tout état de cause, cette fonction de pouvoir aller visiter les contacts des personnes que vous avez en contact direct et le cas échéant, les inviter, et si possible avec un petit mot sympa, parce qu'on s'introduit un petit peu dans le carnet d'adresse d'un tiers, c'est assez correct d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà en ce qui concerne pour mes pratiques. Merci beaucoup Richard, c'était très concret. Et on va terminer par Géraldine sur tes propres pratiques de social selleuse pour toi-même, Géraldine, pour te vendre en tant, et tu mets ton micro, pour te vendre en tant que conférencière ou en tant que coach de dirigeant ou de leur fils, etc. Quelle est ta routine ? Ok.
Avant, je voudrais dire merci à Richard et je voudrais aussi dire que cette façon en fait de présenter les choses, ça correspond complètement à la façon de penser en arborescence des personnes qui sont 10 au potentiel, etc. Donc, je trouve ça vraiment très chouette. Ma routine, elle a un peu explosé en fait ces derniers mois. Ben, vous l'avez compris, ça me prend beaucoup de temps en fait d'écrire. Donc, je fais beaucoup de vidéos, mais n'empêche que, comme le disait Richard, c'est intéressant d'avoir un petit mot d'accueil, etc. Et à un moment donné, moi, je me dis, ben ouais, mais moi, mon talent en fait, c'est d'être avec les gens. Et c'est pas d'écrire et d'être derrière mon ordinateur. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment en réflexion là-dessus parce que je veux plus passer autant de temps derrière mon ordinateur. J'ai besoin d'aller aider des personnes, de permettre de prendre des raccourcis aux gens. Et donc, c'est une réflexion aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais faire la suite. En tout cas, j'essaye de faire au moins quand même un ou deux posts par semaine. C'est assez simple pour moi de faire une vidéo. Ça ne me prend pas tant de temps que ça. Mais par contre, la rédaction du texte, il y a des fois, je peux y passer une après-midi. Donc, c'est trop, quoi. Donc, voilà. Autrement, à un moment donné, j'avais une automatisation. Et ça, c'était plutôt intéressant pour moi. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est terminé. Et je ne sais pas comment remettre le truc en route. Voilà, autrement, eh bien, j'aime bien effectivement, quand il y a un poste, voir les échanges qui se créent entre les personnes. En tout cas, LinkedIn, ça m'a apporté vraiment une visibilité. Alors, moi, j'utilise que LinkedIn hein, parce que je ne vais pas pouvoir écrire partout. Et si je fais du Facebook, je fais vraiment juste un copier-coller. Donc, ça m'a apporté vraiment une visibilité. C'est intéressant pour moi d'utiliser la vidéo et aussi, quand j'envoie des petites notes, de mettre un PS aux personnes en disant que j'ai un cerveau différent, je n'écris pas comme eux et que ça, de transformer sa différence en force, je peux leur en parler en conférence. Donc, ça m'a apporté bien sûr des clients, des ados, des clients. Et voilà. Merci beaucoup, Géraldine, pour ce partage. Je vais reposer la question à Philippe maintenant, Philippe de Liège, sur sa routine quotidienne. Quelle est la routine d'un Philippe de Liège qui cherche in fine à se faire acheter ou à ce que quelqu'un vienne vers lui en le connaissant déjà pour lui acheter quelque chose, Philippe? Oui, avant toute chose, il faut en fait vous... À la fois, il faut penser à soi, il faut respecter son ADN, blablabla, ça certainement. Mais surtout, en fait, ce qui est important, c'est de l'autre côté, en fait. Qu'est-ce que les gens veulent entendre? Et naturellement, mon flux d'actualité, les flux d'actualité que je gère, sont basés, en fait, sur l'écoute de l'audience. Également, moi, tous mes posts sont adressés à quelqu'un. Donc, en effet, quand j'écris le post, je ne l'écris pas pour me regarder dans un miroir. Mais en fait, j'écris un mot d'amour business à quelqu'un à qui je pense, à qui je veux résoudre ce problème. Et naturellement, il faut savoir que les postes ne sont distribués qu'à 3% de votre communauté. Ça veut dire que vous avez très, très peu de chances que cette personne reçoive cette lettre d'amour. Par contre, comme il est adressé par rapport à un problème que quelqu'un rencontre, et il y a beaucoup de chances que ce poste soit distribuer à quelqu'un qui a exactement le même problème et qu'il se reconnaisse. Et à ce moment-là, il va trouver que vous avez fait preuve d'empathie par rapport à lui, alors que ce n'est pas l'objectif, pour aussi à quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne, en tout cas dans mon cas de figure, parce qu'en fait, j'écoute l'audience. Et naturellement, les sujets dont je traite ne sont pas des sujets qui sont choisis par moi. Alors également, bon là, ça dépend un peu comment les cerveaux des gens fonctionnent. Moi, j'accorde beaucoup d'importance aussi à l'aspect visuel et de ne pas tomber dans le travers du film français d'expliquer le film ou d'expliquer un dialogue, mais que le visuel apporte une partie de l'histoire et que le texte apporte une autre pièce et que l'ensemble
raconte une histoire que vous n'imposez pas. Je n'y arrive pas tous les jours, mais en tout cas, c'est mon objectif quotidien. Après, bon, chacun fait comme il veut et en fonction de ses compétences ou de ses talents ou de ses envies. Mais c'est vrai que moi, la plupart des posts que j'ai écrits, à la base, c'est le visuel qui me parle. Et donc, en fait, je commence par le visuel en pensant à quelqu'un et puis après, j'ai un résultat. Alors que la plupart de mes collègues, par exemple, fonctionnent plutôt, ils écrivent un texte et puis après, ils vont chercher à illustrer le visuel. Mais encore une fois, chacun sa méthode, mais le plus important, c'est l'autre. Les vidéos, par exemple, moi, je les ai testées pendant un an, deux ans en fait. J'ai fait des vidéos sur le tennis. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai choisi chaque semaine, je parlais d'un joueur de tennis pour parler d'une technique de vente. Mais les joueurs de tennis que je choisissais, c'est des joueurs qui faisaient plaisir à mon audience. Et donc là, j'avais repéré en fait la tranche d'âge qui parle le plus à ma communauté. Et c'est par hasard que je parlais plus souvent de Pat Cash, d'Edberg, que par exemple de Nadal ou Federer. Parce qu'en fait, je savais que je jouais plutôt sur la nostalgie des gens. Et en fait, j'activais dans leur cerveau cette envie de retomber un petit peu en enfance. Et donc, encore une fois, comme tout le monde, hein, parce qu'en fait, on est très égocentrique sur les réseaux sociaux, donc je le suis aussi, mais il faut vraiment tout le temps se mettre en connexion avec l'autre, quoi, et de dire, OK, je suis là, mais c'est surtout les autres qui sont là, et mon objectif, que parmi eux, les gens me reconnaissent. Et donc là, il faut vraiment écouter. Et ça, c'est le talent d'un commercial, hein, c'est écouter, 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 ce que je ne fais pas actuellement parce que je parle trop. Merci Philippe. Alors, je vais refaire un rapide tour de table auprès des panélistes officiels pour voir si vous avez un autre mot à nous donner, à nous dire par rapport à tout ce qu'on vient de partager. Sébastien, pour peut-être, qu'est-ce que tu voulais partager d'autre ? Non, c'était juste par rapport à l'histoire de la régularité des publications qui a été soulignée. Effectivement, lorsque je publiais les vidéos, je les publiais très spécifiquement tous les 15 jours. Donc, c'était un vrai rendez-vous que les gens attendaient. Le jour où j'ai arrêté, effectivement, c'est là où j'ai eu ces retours me disant bah, « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Des gens qui étaient pour a priori très silencieux. Et comme quoi, dans la régularité des publications, c'est vraiment très important d'être visible. Vous prenez un rendez-vous, en fait, avec une audience et ça fait partie des routines, en tout cas, auxquelles je m'astreins à nouveau, même si c'est plus sous le format vidéo. Voilà. Merci Sébastien. Fabrice ? Alors, pour le coup, moi, ce que je voulais aussi noter, c'est que je remarque en fait que beaucoup de gens, du coup, s'approprient un peu les mêmes routines ou en tout cas les mêmes pratiques. Et pour rebondir un peu sur la keynote de Géraldine. Justement, moi, ce qui me surprend de plus en plus dans ma timeline LinkedIn, c'est le manque de différence entre les différentes personnes. Alors, la routine, c'est bien, il faut en avoir une, je pense que c'est hyper important. Si tu veux, en fait, perdurer, parce que c'est une course de fond, hein, les réseaux sociaux, c'est pas un sprint, c'est une course de fond, c'est un marathon sur du très long terme. Donc, une routine te permet de perdurer, de rester, de maintenir cette régularité, etc. Il faut vraiment trouver sa propre routine, son propre ton, parce qu'aujourd'hui, à force de voir, je pense, de formations un peu standardisées, d'ateliers un peu standardisés, on se retrouve aussi avec des gens qui proposent tous la même chose, de la même manière, avec la même tonalité, le même mode de présentation. Aujourd'hui, moi, le premier truc que je fais quand j'écris aussi un contenu, c'est je pense, est-ce que ça m'intéresserait de le lire ? Je pense évidemment en partie à ma cible, mais je pense aussi, est-ce que ça pourrait être intéressant de le lire ? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans qui m'intéresserait ? Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose auquel je m'astreins dans ma routine de travail. Et vraiment, moi, je le déplore. Je trouve qu'aujourd'hui, on peut faire peut-être… Enfin, les gens ne cherchent pas assez à se différencier sur ce qu'ils apportent, sur leur discours, sur leurs approches. Voilà. Merci pour ça. Il y a quelqu'un qui a levé la main, mais juste avant, je voulais demander à Géraldine si tu avais un dernier mot, et après j'ouvre à la salle. Oui, non ? Oui, oui, mon dernier mot, ça serait vraiment au niveau de la routine, en tout cas, de pouvoir avoir une routine qui vous va bien aussi, parce que si vous vous obligez à faire un poste par jour et que ça devient quelque chose de difficile pour vous,
ça va forcément votre communauté, les gens vont le ressentir. Donc moi, par exemple, ma routine, c'est je fais deux postes minimum par semaine, mais je n'ai pas de jour particulier. C'est, voilà, ça sort, c'est en fonction de… Et ça, c'est ma routine à moi. Et voilà, et si ça me va, normalement, ça doit trouver un écho quelque part sur LinkedIn ou ailleurs. Bah écoute, merci. Alors, Julien, il est reparti là. Il arrive et il repart. Là. C'est comme il était censé être avec nous, je voulais lui passer la parole deux secondes. Mais ben, il y a quelqu'un qui voulait parler, qui est parti là. Où est-ce qu'il est parti? Non, Marie, dans quelques minutes. Vas-y, Marie, dis deux mots alors. Mais après, c'est toi, dans quelques minutes. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose sur la routine. En fait, moi, je suis organisée d'une façon… Au début, c'était très, très compliqué aussi. Et l'organisation que j'ai adoptée est vraiment extra. Donc, je voudrais vous la partager. C'est-à-dire vraiment, en fait, au fil du temps, je note sur… Bon, Evernote, mais sur un calepin, tous les sujets par rapport à ma ligne éditoriale. Ensuite, j'ai un calendrier éditorial et je place en fait les sujets que je veux mettre. En fait, c'est comme si, on va dire, j'étais le boss de moi-même en disant tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Et puis après, j'exécute. Et après, il y a des choses qui sont, on va dire, dans l'actualité, que je laisse une flexibilité. Mais en fait, du coup, je package en fait la création des posts et des vidéos, on va dire, dans un même timing. Et souvent, on le verra tout à l'heure, mais comme les vidéos sont structurées d'une certaine façon, alors les posts reprennent la même structure, plus ou moins. Et donc, je réagis par rapport à ce que tu disais, Géraldine, sur le fait que tu mettais une après-midi, ça me fait bondir. Même si tu as des difficultés, il y a vraiment des méthodes qui te permettent. Et moi, je suis pas une. Enfin, j'étais vraiment une nulle en écriture au départ, et j'ai à force de progression, voilà, enfin c'est voilà, il y a de quoi faire, quoi. Ok, on va en reparler tout à l'heure. Simplement, Julien, qui était censé être avec nous dans cette session là Julien, tu t'en souvenais plus, et on devait parler de ta routine de social seller, de ta routine d'entrepreneur pour te vendre et pour vendre. Donne nous en quelques mots quelle est ta routine, ou au minimum ta stratégie et ta posture. Alors moi, sur la routine, je vais rejoindre ce qu'ont dit certains. Je pense que la régularité est hyper importante. Ça me paraît, voilà, je pense qu'il faut avoir une vraie régularité, de la consistance. Après, j'ai envie de dire que peut-être qu'une fois tous les 15 jours, moi, ça me paraît trop peu. Je pense que le bon rythme, si on veut être présent dans la tête de son audience, de ses clients potentiels, c'est plus deux ou trois fois par semaine sur LinkedIn minimum. Ce qui n'est pas mon cas. Hein. Si tu vas voir, je vois que tu es parti sur mon profil, ce qui n'est pas du tout mon cas. Alors, moi, je voulais vous dire quelque chose aussi, finalement, parce qu'aucun d'entre vous en a parlé, mais pour moi, la routine, ce n'est pas la routine de publication dont je parlais pour se vendre en tant qu'entrepreneur. Parce que je vais donner un exemple. Moi, une de mes routines les plus importantes, c'est de commenter les posts des autres. C'est beau, et ça m'apporte beaucoup plus de reconnaissance, beaucoup plus de visibilité, de crédibilité, de recommandations, de conversations business que simplement mes propres posts. Donc, il ne faut surtout pas imaginer que la seule chose qu'il faille faire, c'est poster, que ce soit des vidéos, du texte ou autre chose. Voilà ce que je voulais dire. Hein. Il y a aussi d'autres commerciaux qui ont dans leur routine le fait d'aller rechercher d'ailleurs et d'aller engager des prospects avec des outils tels que on en discutera tout à l'heure à 17h avec Julien et d'autres. Hein. Donc voilà, donc n'imaginons pas que routine égale poste, routine égale publication. D'accord? Vous êtes d'accord avec petit, ça? Petit voilà. Teasing, je rebondis sur ce que tu viens de dire. À 17h, on aura Caroline qui va nous parler de quelque chose dont on n'a jamais parlé dans le social selling. C'est comment un outil utilise les data avec de l'intelligence artificielle pour que vous arriviez à profiler vos prospects, vos leads, vos clients sur LinkedIn. Voilà, super. Voilà. Bon teasing. Bah, attendez, il nous reste quelques instants, donc je vais ouvrir la parole à la salle. Donc, il y a Fez qui était un bon aficionado du Social Selling Forum au premier semestre parce qu'il est dans l'événementiel. Que veux-tu dire, Fez? Vas-y. Je te remercie. Je suis ravi de retrouver le Social Selling, Loïc. Bravo et merci. Social J'ai une question Forum. À Géraldine. Attendez, excuse-moi. Social Selling Forum. Voilà. Social Selling Forum, bien évidemment. J'ai une question à Géraldine que j'adore, que j'aime beaucoup, que je suis. Parce que grâce à ces vidéos, elle passe une émotion, et ça, c'est vraiment un sacré challenge.
Et j'aimerais te demander, en fait, Géraldine, qu'est-ce qui a changé lorsque tu as commencé à poster des vidéos sur LinkedIn? Ah, en fait, j'ai commencé par ça, parce que c'est-à-dire que le premier article que j'ai fait, si vous allez le voir, c'est un article qui comprend 10 petites vidéos de 3 minutes à peu près pour expliquer en fait qui sont les personnes en fait que j'appelais, je ne sais pas, cerveau 10 en fait. Et donc, je donnais des exemples très concrets pour que les gens dans l'entreprise puissent se découvrir ou repérer en fait leurs collaborateurs. Donc, j'ai commencé par de la vidéo. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou une autre réflexion rapide dans la salle et après, on va faire le tour de table final. Quelqu'un veut s'exprimer? Nolwenn, vas-y Nolwenn, mets ton micro. Oui, j'aurais une question pour Géraldine. Donc, j'aimerais savoir comment faire pour mettre en avant une maladie qu'on peut avoir qui est très stigmatisée pour en faire une force au sein de son entreprise. Alors, la première chose à faire, c'est d'accueillir soi-même sa différence. C'est d'être OK avec sa différence. Et pour l'accueillir, eh bien, il faut vraiment voir tous les avantages qu'il y a à être comme ça et tous les inconvénients. Et d'embrasser, en fait, à la fois les avantages et les inconvénients. Et si la liste, par exemple, des avantages est plus petite que la liste des inconvénients, aller chercher encore et encore pour faire grandir la liste des avantages, parce que souvent, on voit plus d'inconvénients que d'avantages. Et on peut, franchement, avec un peu de gymnastique, c'est vraiment de la gymnastique mentale, on peut vraiment voir beaucoup, 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 beaucoup d'avantages dans un problème, en fait. Dans un handicap ou voilà. Donc, ça serait plus facile de vous répondre plus spécifiquement si je savais exactement de quoi vous parliez. Mais bon, après, ça peut se faire Un chat privé, vous pouvez le faire là sur Zoom, ça marche très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais demander à chacun des intervenants en un mot de nous résumer ce qu'il veut qu'on garde dans la tête. Philippe, en un mot. En un mot, bonjour. Bonjour, voilà. Non, mais tu disais, oui, on n'a pas parlé assez de routine. Enfin, moi, j'en ai un petit peu parlé dans le sens où mon objectif, enfin, j'ai cerné mon objectif et puis après, le comportement que j'adopte sur LinkedIn est orienté et tout est phasé par rapport à cet objectif-là et par rapport à ça. Donc, oui, clairement. Il faut avoir un objectif et une stratégie. Il faut avoir un objectif, sinon, alors vous allez sur Facebook ou sur Twitter, etc. Si moi, sur LinkedIn, en fait, tout ce que je fais, c'est un objectif professionnel. Donc, mes objectifs personnels sont très précis. Être perçu comme quelqu'un qui est déjà reconnu alors qu'il n'a jamais rencontré. Et je fais tout pour. Et après, toutes mes actions sont basées là-dessus. Encore une fois, tout en respectant ma personnalité et n'étant pas un schizophrène. Merci Philippe. Fabrice, en un mot inscrivez vos routines dans vos routines. C'est-à-dire que si votre routine de social selling n'est pas inscrite dans votre routine de vie, ça va être compliqué. Donc, voilà. Donc, très bien. Sébastien, en un mot Respecter sa personnalité au travers des posts que l'on fait, je pense. C'est important. Absolument. Voilà. Richard? En un mot, oser l'impertinence. Ah, très bien. Géraldine, pour terminer, tu avais le début et tu as la fin. Géraldine? Ok, moi pour terminer, je vous dirais accueillir vraiment votre différence, l'embrasser et la mettre au grand jour. Et si Alléluia. Et si vous ne voyez pas votre différence, allez chercher en fait en quoi vous êtes différent et puis ensuite de partager, d'être avec sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Nous terminons cette session sur la routine de l'entrepreneur sur les réseaux sociaux pour vendre et se vendre. Et la prochaine, c'est faites-vous recruter ou missionner, d'ailleurs, si vous êtes un freelance, un consultant, un formateur, grâce à LinkedIn et plus, et les outils qui vont avec, comme la vidéo, etc. Donc, je vous laisse quelques instants. J'arrête cette session YouTube.